Alors, montre, ouais, parfait. Comment on rentre? Non, l'épave, ça dit d'aller là-bas. Ah, c'est celle-là, l'épave. Regarde là. Au pied de l'épave, cachette des outils. Elle a trouvé un autre endroit pour bricoler. Allons voir de plus près. Là-bas, il y a des pièges. Ah, mais non, mais en fait. Quoi? Pas mal de choses. Apparemment, elle travaillait sur quelque chose ici. Mais où est-ce que. Boomer? Il faut que je finisse! Boomer! Mais qu'est-ce que tu fais? Trop tard. Boomer, qu'est-ce que t'as fait? On va les exploser. Aucune importance. Les voilà! Je peux pas pirater. Mais non, il va le. Tu vois, Boomer? Exactement pour ça que je ne peux pas t'enfuir. Laisse Boomer tranquille, gros sac de ferraille. Yeah. Non. Yeah, nice. Oh, loupé. Bravo. Oui. Hop, t'es stun. Ah, j'aurais pu le pirater, bon, tant pis. Ouais, tu l'as eu, Boomer. Toi, t'es faible à quoi? Oh, calme-toi. Le feu? J'ai du feu. Contre-lui, Boomer. Aïe. Facile. Trop facile. Oh! Qu'est-ce qui t'a pris? Ces machines, elles auraient pu te tuer. Truc, une pièce dorée. Boomer. Juste boom, c'est bon. Boomer! Supportable. La tête crier comme ça. Là, il y a une pièce. Voilà! Donc, vous disiez. Elle va me donner sa vieille arme nulle, là. Hey, Boomer? Oui? Ta sœur s'est beaucoup inquiétée pour toi. Écoute, je sais que t'es encore en colère. Mais tu peux pas t'enfuir dans le désert comme ça. Je me suis pas enfuie. Et je suis pas en colère. Tu l'es pas? Non, pourquoi je serais en colère? À cause de notre dispute, tu t'es enfui juste après. Je me suis pas enfui. Tu m'as abandonné. Je ne t'abandonnerai jamais. Tu es ma sœur. J'ai eu une idée, alors je suis partie chercher des pièces. Tu vois? Une arme. C'est que le support de charge utile. Le vrai secret, c'est les disques boom. Tu les lances sur les machines et là ça les découpe. Et ensuite, ils reviennent jusqu'à ce que tu les aies assez lancés. Et après, ça fait boum. Enfin, c'est ce que c'est censé faire. Pour l'instant, j'arrive pas à les faire revenir. Ah, allez, montre-moi. Peut-être parce que ça n'a pas de sens. Ça. Cette pièce ne va pas. Il faut juste mettre un bout de câble ici et... Et voilà. Tiens, Rockin, essaie-le. Non, non. Non, attends. Sur la grosse machine. Par là. Non, 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 non. Et la voilà repartie. Non, non. Alors t'es pas parti à cause de notre dispute? Non. Mais t'as quitté le campement sans rien me dire. Bah, tu dormais. Mais pourquoi tu m'as pas réveillé? C'est toi qui as dit que tu voulais pas parler avant le matin. Oui, mais je voulais dire... Oh, c'était une façon de parler. Je vais se ramasser quelques soins sur la route, histoire d'être full, voilà. Ça va beaucoup plus vite depuis que j'ai les passifs. Comment est-ce que t'as trouvé ces vieilles ruines? Je les ai vues quand on a quitté Campomé. Et tu t'es souvenu du chemin pour y aller? Oui. Elle est forte. Alors c'est quoi cette machine qu'on a trouvée? Tu verras bien.
Allez, allez, allez. Let's go. C'est juste en bas. Surtout une cache, ouais. Y a rien ici. Regarde bien. Voilà. Terreur invisible. On te regarde par ici, Rockin. On se dit que t'es capable. Fais la sauter. Boum. Ok, alors. Je crois que ma tenue là est nulle en glace. Ouais, elle est nulle en glace. C'est celle-là qu'il faut prendre pour la glace. Pas mieux. Ok. Au passage, je peux peut-être rajouter des trucs de protection, ça peut être une bonne idée, non? Genre... Ouais, protection contre le combat rapproché. Allez, attends. Et pour ma tenue d'habitude, celle-là. Faire pareil. Mais non, mais du coup, c'est pas la bonne. Pourquoi? Ah, c'est bon. C'est quoi son point faible? L'acide. Je sais pas où il va ressortir. Ouais, tu vas y arriver. J'ai un peu froid, mais tranquille. Non mais ressort, t'es pas drôle. Pardon. C'est insupportable. Et le disque est pas revenu. Allez hop. C'est bon, je peux remettre mon arc. Parce que je déteste qu'on change mes trucs sans que je demande. Donc c'est celui-là. C'est lequel? Il fait du feu. Ah, non, ça c'est une arbalète. C'est celui-là, je crois. Il est pas fou, mais il fait du feu. Qui est un bon début. C'était incroyable. Ouais, je sais, hein, je sais. On ramasse, on fouille. Un tronc cérébral lumineux. Incroyable. Toujours rêvé d'avoir ça. Non, mais t'as vu toutes les étincelles quand elle est morte? Ouais, j'ai vu ça. Ouais, j'ai vu ça. Un boulon. Une boîte. C'est bon. Des étincelles, des bouts de métal et boum! Voilà un problème, hein. Ça va? Depuis qu'on a quitté la requête, je pensais que
Si j'arrivais à la convaincre d'oublier un peu ces explosions, tout irait mieux pour nous. Après cette dispute, tu as cru l'avoir perdue parce que tu avais été trop dur. On dirait que j'avais tort aussi à propos de ça. On voit pas du tout le monde de la même façon. Quand je vois un problème, elle, elle voit une occasion de le faire sauter. Mais je suppose que c'est pas grave. Pourquoi pas, hein. Je l'aurais jamais retrouvée sans toi, Rookin. Elle a de la chance de t'avoir. Et pour l'arme ? Garde-la. Pour te remercier. T'es prête à rentrer ? Je crois que je viens d'avoir une nouvelle idée de prototype sur laquelle on pourrait travailler. Avec des explosions ? Évidemment. Ouais ! Oh là là. Un personnage riche de profondeur. Elle s'appelle Boomer. Dès qu'elle parle, c'est pour parler d'explosions. Il nous en faut plus des personnages comme ça. Hein. Avec un gros background. C'est impressionnant. Du coup. On a vu tout ça. Où est-ce que j'ai de la quête? Ici. Là. Là, j'ai une quête. Quelle est cette quête? Cette quête, c'est rejoindre le lieu de rendez-vous. Pour Zo. Ah, avec... Oui, d'accord, Zo. Zo, c'est notre pote dans la base qui sort avec Varl. C'est ça, hein, c'est Varl. Ah, du coup, déplacement rapide. Ah, je voulais voir avant le... Lui. Regardez vite fait. Le long coup. Il est où? Il est là-bas. Parce qu'au pire, je peux le faire tomber comme j'en avais déjà fait tomber un, non? Je peux pas faire ça? Oh, il y a des... Ouais. C'est des gens. C'est le moment de sortir les munitions électriques. Non. C'est tombé, je crois. Voilà, oula. Il se tire dessus. Oula, c'est la guerre. Comme d'hab, nous on va récupérer le gagnant. On va pas s'emmerder. Il y a un énorme truc là-bas. Il y a du feu et tout. Moi je suis gagnant, hein. S'ils sont tous morts, ça me laisse le champ libre derrière. C'est trop loin. Ah, j'ai rien pour les défoncer. Moi j'ai rien fait. Non, lui on va le garder. Oh. Va monter. Allez mec. Ça c'est fait.
Oh, le fouisseur s'est fait démolir par le grand coup. Ça fait pas du bien, je pense. Et vas-y, le... Toi, t'es morte. Voilà. Il reste plus grand chose hein, à buter là. Oh. Non, plus de balles. Dans la tête. Et c'est qui le victorieux? Oh, je gagnais tellement d'XP. Est-ce que vous croyez que je peux utiliser ça sur lui là pour le faire tomber? Ça serait pas mal, non? Bon, du coup, même si au pire ça ne m'a servi à rien pour... le grand coup, ça m'aura servi pour beaucoup d'XP, hein, parce que là... C'est pas des petites machines et je me suis régalé. J'ai bien envie de tester ça. Parce que là, je ne peux malheureusement rien faire. Il s'en branle, hein. Il s'en branle fort, fort, fort. Une nouvelle quête là-bas. Au final, y a rien. Bonjour. Vous savez comment monter sur le grand coup? Tout va bien? Qu'est-ce que vous faites là? Demande à ma grand-mère. J'ai pris le risque de quitter mon tour de garde pour la chercher. Elle a vu les fleurs, elle refuse de partir. Non mais depuis quand elle s'intéresse aux fleurs? Ce ne sont pas que des fleurs, ma petite. Ce sont des carmines dont le parfum apaise les nerfs. C'est ce que m'a appris un chercheur de graines Outaru. C'était il y a bien longtemps. Un Outaru? Tu dis vraiment n'importe quoi. Si un Outaru était passé à l'époque, tu l'aurais tué sur le champ. Je n'ai pas pu. Je l'ai trouvé en train de cueillir des fleurs. Tout près d'ici, en territoire Ténac. J'étais prête à l'attaquer, mais il chantait. Il chantait? Je ne me souviens plus de la mélodie. Mais j'oublierai jamais sa voix, ni son nom, ni l'eau. Il avait décidé de rester quelques jours. J'ai pris des tours de garde ici pour pouvoir revenir le voir. Elle était amoureuse. Il disait que c'était pour les fleurs. T'es pas en train de me dire que je suis la descendante d'un jardinier Outaru? Presque. Presque. Mais le frisson de la bataille m'appelait. Et lui devait retourner auprès de son peuple. Je me suis toujours demandé quelle vie j'aurais eu avec lui. Et s'il y pense aussi. M'aurait-il accueilli à Mélopée? Et aurait-il accepté une carmine? Mélopée est loin d'ici. Mais j'y repasse de temps en temps. Je pourrais cueillir des carmines et les apporter à Nilo, si je le trouve. Oh oui! Il était herboriste. Je sais bien que le temps a passé depuis. J'aimerais savoir... Enfin, j'aimerais qu'il sache que... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je crois que oui. Tu perturbes une vieille femme. Pourquoi l'encourager? Et pourquoi pas? Très bien. Je,
j'étais pas forcément venu pour ça, mais mais très bien. Très bien, très bien. C'est quoi ça là-bas? Il y a un scorpion. Bon, du coup, je sais toujours pas pour ce grand coup, ça reste une énigme. Je sais vraiment pas. En plus, là où c'est stupide, c'est que j'ai déjà fait le haut, j'ai déjà fait le bas, et ça, je l'ai déjà fait aussi. En fait, même si là je fais le grand coup, bah, ça va pas me révéler grand chose parce que j'ai déjà vu la plupart de la zone. Donc, voilà. Je ne comprends pas ce qu'il fait là et pourquoi il est lock. Sûrement un intérêt en termes d'histoire. Pareil pour le creuset jumeau, gémeaux là où je pouvais rien y faire, mais pourquoi pas. J'ai bien. Attendez. Merde, fallait cueillir des fleurs. Merde. En vrai, je vais cueillir ces fleurs, je vais aller à Mélopée, c'est juste à côté. Je vais aider cette vieille dame et après je vais aller au feu faire des trucs. Je sais même pas ce que je dois faire à ce feu de camp là où j'ai un indicateur de quête. Ah voilà. Je garde ça pour un cuisinier. C'est où? Ah, non. Ça ressemble à quoi ces merdes? Ah, il y a les voisins qui crient là. Là, une carmine. Il suffit que je trouve les trucs, voilà, comme là par exemple, qui peuvent être ramassés. Et où il n'y a pas de cactus par-dessus. Peu de camp découvert. Hop, 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 voyage rapide. Insupportable. C'est quoi la quête? Aller à Mélopée. On va à Mélopée, hein. Mais c'est pas là, Mélopée. Ah. C'est là-bas. Ils sont obligés de crier comme des animaux, genre. Je comprends pas. Tu fais une soirée, tu t'amuses pas à gueuler comme un animal. Surtout à 23h. Salut. Je dois chercher l'herboriste. C'est peut-être encore Nilo. Je pourrais lui donner les carmines. Bon. Mais il y a plein de quêtes. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. En plus, je vous aime pas, vous, les Otaru, là. Ça ressemble à Otari. Mais non, mais je suis complètement con, il est en haut. Faut que je monte. Là. Mes articles t'aideront à l'emporter. Non, non, vraiment, laissez-moi. Laissez-moi tranquille. Je veux juste parler à l'herboriste. J'ai commencé à faire un tri dans les quêtes, hein, parce que... Sinon, on va jamais finir le jeu, je pense. Et là, je suis déjà quand même assez... puissant, on va dire, pour bien avancer. Étrangère, que puis-je faire pour la Kate principale? Nilo. C'est bientôt à l'herboriste ici. Tu es Nilo? Non, Nilo était herboriste avant moi. Je crois qu'il est parti plus au nord, à Cantilène. Pourquoi? Tu as besoin d'un baume particulier? Non, c'est pour quelqu'un que je connais, on va dire. Merci, je vais voir à Cantilène. Il y a un bosquet là-bas, un mémorial, c'est magnifique. S'il y est, c'est là que tu le trouveras. Merci encore. Ravi de t'avoir aidé. Où ça?
J'espère que... Ouais. Où ça? Eh mais je connais. Et vous voyez, c'est là l'intérêt d'avoir débloqué les feux de camp, d'avoir fouillé la map. J'ai de toxines par ici, chasseuse. Tu peux me croire sur parole. Ta gueule. Ouf, je descends. Là, la progression va être... et rapide. Hop, 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 boum boum. Quête fait en 3 étapes. 1, on ramasse des fleurs, TP. On parle à un mec, TP. Je dois trouver Nilo pour lui donner les cartes. Et GG roleplay. L'herboriste de Mélopée a dit qu'il serait peut-être vers le mémorial. Ada, Olé, Nilo. Elle a dit Nilo? Il est mort? Bonjour. Et Nora, ici? Tu es bien loin. J'ai sauvé votre village. On peut dire ça. Je cherche un herboriste appelé Nilo. Je crois que je t'ai entendu dire son nom. Tu es venu au bon endroit. Ses graines sont enterrées ici, où il prenait soin des plantes des autres. Dont celle de ma mère. Je suis sa fille, Gia. Il est mort depuis quand? Il y a 5 ans déjà. Il a mis tout son amour dans ce bosquet. Il l'aimait presque autant que moi. C'est pour ça que je ne pourrai jamais quitter Cantilène. J'aimerais lui laisser quelques fleurs de la part d'une vieille amie. Ah, des carmines. Elles sont rares par ici, mais c'était ses préférées. Je sais bien. Je n'ai jamais su pourquoi. Il en plantait dès qu'il pouvait, sans jamais les cueillir. Il préférait les regarder fleurir. Ça ne m'étonne pas. C'était un homme bon qui a eu une belle vie. En effet. Oui, c'est bien ça. J'ignore qui cette vieille amie peut être. Mais si mon père l'appréciait, elle a sûrement une belle âme. Est-ce qu'il faut que j'aille le dire à la vieille, du coup ? Oui. Eh bien, c'est pas grave, hein. On va refaire un voyage rapide. C'est le gros avantage. Et en plus, surtout, ce qui est bien, c'est que les chargements sont rapides. Dans Horizon Premier du Nom, j'aurais pas pu faire ça. Enfin, si, mais j'aurais attendu 1 minute à chaque TP. Petite, je vois encore clair. Ma longue veille est enfin terminée. T'as des nouvelles du jardinier de ma grand-mère? Oui et non. J'ai déposé les carmines sur sa tombe. Ses fleurs préférées, d'après sa fille. Il aimait les voir fleurir. Faut que je rechange ma tenue aussi. Il est mort. Ah non, il a une tombe, mais il est pas mort, t'es con. Mais il a pensé à moi toutes ces années. Je m'en contenterai. Vraiment? C'est tout? T'es sûr que t'as trouvé le bon herboriste? Il me semblait que tu trouvais que c'était une quête inutile. Eh bien... Moi aussi. Je sais que c'était quelque chose d'important pour toi. T'aurais pu avoir une toute autre vie. J'aurais pu. Mais cette vie n'est pas si mal que ça. J'ai même une petite fille. Elle tient tellement à moi qu'elle vient me chercher si loin. Et j'ai toujours les carmines pour me souvenir de Nilo. On dirait que ta grand-mère a tout compris à la vie. Peut-être bien, ouais. Mais préviens-moi la prochaine fois que tu voudras venir ici, d'accord? Au lieu de disparaître. Je le ferai peut-être. Tiens, étrangère, prends ceci. Pour avoir aidé une vieille femme à se souvenir de sa jeunesse. Alors, je sais pas ce qu'elle m'a donné, mais surtout j'ai changé de tenue... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a donné? Un point de compétence. Bien. Chef des machines. Hop. Ça fait quoi, ça? Renforcer votre résolution face à des ennemis multiples. Les dégâts se transmettent d'un ennemi... Ah oui, ça transmet les dégâts si les ennemis sont stackés. Ouais, bon, pourquoi pas. J'ai pas mieux...
Subissez moins de dégâts sur une monture, ouais. Ouais. Je vais faire un truc. C'était quoi? C'était là? Oui. Compétences déjà acquises. Mais compétences pas équipées surtout. Si? Bah non. Je sais plus comment on fait pour équiper une compétence. Équiper. Parce que là je l'ai pas ça. Enfin je l'ai plus. Là. Équiper. Hop, voilà. Ça c'était très très fort et je l'ai déséquipé. Sans le vouloir. L'arc. Ça pour vaciller. Ouais, mais c'est tous des trucs auxquels je vais pas penser de toute façon. Survivant, est-ce que j'ai encore des choses à faire à monter? Les potions donnent plus de santé. Allez, je vais augmenter des trucs là. Là, c'est du pur bonus. Hein. Là, je suis en mode. Même augmenter des trucs ici. Des trucs avec les pièges. Hop. Et hop. Et du coup, maintenant, on va directement se diriger ici. Pour l'une des quêtes qui nous reste. Je vais essayer de prendre maintenant le moins de quêtes possible et puis faire de la quête principale. Je vais juste dépiler celle que j'ai déjà de quête. Parce que bon. Plaiso, c'est ici que se trouvent les peintes à cornes qui permettront de soigner les dieux de la terre de Mélopée. À Plaiso. Je dois lui faire savoir que je suis là. Hey Zo, je suis près des peintes à cornes. Tu me rejoins? Je serai bientôt là. Aloy, je suis contente qu'on fasse ça ensemble. Les peintes à cornes qu'on cherche doivent être un peu au nord. Allons chercher ces noyaux de commande. On va chasser les peintes à cornes. Peintes à cornes, ça veut dire 5 cornes du coup. Si ça marche, si on arrive à soigner les dieux de la terre, ça mettra fin à une génération de souffrance pour mon peuple. D'après toi, comment Fain et le cœur le prendront? Ils sont certains que l'extinction de la tribu est inévitable. Je ne suis pas toujours d'accord avec eux. Ah, oh, c'est. Mais je me dis qu'ils seraient ravis d'avoir eu tort. C'est des Triceratops. Là, les peintes à cornes. Et ils ne sont pas seuls. Il nous faut une bonne stratégie. J'attends ton signal. Peintes à cornes. Il y a le truc volant là-bas. Le rasoptère. Un autre truc là-bas. Ok. J'ai plus de flèches, vite. Oui, touché. Je crois qu'il y avait une zone de chasse Ténac ici. D'accord. On peut peut-être en profiter. Ils nous ont vus. Ah ouais? J'y vais full bourrin. Hein. Wow! What the fuck? Pas forcément ce que je voulais faire, mais. Ok. Alors, on s'est électrocuté le cul? J'aimerais bien lui péter ses cornes, mais j'arrive pas. Aïe, mais non, mais. Je vais dans le feu. Lui, je me le fasse. Hein.
moment. Bon, l'autre, elle est dead. Oh! Mais non, mais putain. Je me mets trop cher à moi-même. Flash vite, on en recraft. Ok, bon, un de moins déjà. Oula. Je me défonce. Oh oui. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Aïe. Et hop, ça c'est fait. Tu vas venir toi? Bon, tu me dis, hein. Aïe, 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 aïe. Parfait, vite. Ok. Non, alors ça, oui, ça on va éviter. Ah, mais je sais, j'ai une idée. Hop. Non, et là je fais hop. Comme ça, il est stun et là, bam. Facile. On a réussi. Non. Tu vas bien? T'as les noyaux de commande? Je peux les récupérer. Alors, je l'ai fait à la gros bourre, hein, mais bon, ça passe. Hein. Ça me servira d'ici peu. Est-ce qu'on peut ramasser du coup? Oh, il y avait un lance-bombe là. Ça aurait été sympa. Hop. Et c'est tout? La quête est... Ah non. J'allais dire. Aloy, viens. Je vais prendre les noyaux. Ah, vas-y, fais ta vie. Deux noyaux de commande, comme demandé. Merci. Gaïa m'a montré comment les scanner et prendre ce qu'il faut pour mettre à jour le code. Je vais rentrer à la base pour m'y mettre. Quand j'étais petite, il y avait toujours à manger. Les dieux de la Terre y veillaient et chaque saison, on leur rendait hommage. Mes plus beaux souvenirs viennent de cette époque. Tu crois vraiment qu'on peut la faire revivre? On va tout faire pour. Merci, Aloy. Ouais, de rien, ouais. Bon, on a combattu des Triceratops. Incroyable. Zo va probablement avoir besoin de temps pour trier ses noyaux. En attendant, je peux faire autre chose. Oui, oui, oui. Largement, de toute façon, j'ai pas prévu de la babysitter, hein. Super, je tombe. Là, il y a un coffre. Ah, celle-là. Ah oui, mais il est dans le sol, d'accord, très bien. Et là, il y a des soins. Voilà. Donc, si on regarde les différentes quêtes annexes, j'ai quoi? Déca... Ouais, mais ça, c'est... Tous des trucs loin. J'ai ça là-haut. Il me reste à faire. Euh...
Du coup, déjà je vais aller au feu de camp le plus proche. Et après, je vais m'approcher de l'objectif là-haut. Vous voyez, je prends plus de nouvelles quêtes, je ne fais que des... À part si vraiment j'ai un truc sur mon chemin devant moi, bon bah je vais le prendre, mais... Mais là... Ah non, il est inconnu celui-là, on va prendre celui-là. Deuxième vol, ah c'est peut-être... Ah, de qui c'est cette quête? A priori, il y a quelqu'un qui a été emporté là-haut et y a son armure qui est là-haut. D'après l'histoire de. Enfin, d'après la quête. On va voir, hein. Je sens plus mes doigts avec ce froid. Je sens plus mes doigts avec ce froid. Au final, je pense qu'aujourd'hui on fera pas de quête principale. Vu l'heure et que. Et ce que je. Dans quoi je m'embarque. Mais la prochaine fois, ce sera direction Déméter. Personne ne peut escalader cette montagne. Tu. Cet Ténac avait raison. Il faudrait que je puisse voler pour savoir ce qui est arrivé à Ferica. Comment ça, c'est impossible de monter? Eh oh! On a déjà... Hein? On a déjà fait bien pire. Là. Tu vas me dire que ça s'escalade pas, ça? Regardez-moi ça, là. Cette belle falaise. On a... Enfin, j'ai perdu un petit peu de temps au début avec à Las Vegas dans les sous-sols là, à trouver le code. Le code, et puis j'ai fait un panorama, tout ça. Donc... Non, mais du coup, ça sert à rien. Attends, tapis, arrête. Nique ta mère, putain! Arrête de t'accrocher toute seule! Quand il faut s'accrocher, elle le fait pas. Quand il faut pas, elle le fait. Insupportable, cette femme. Bon, là, il y a des méchants. Ça va pas m'aider à monter, ça. Attendez. Voler jusqu'au sommet de la montagne. Le grand coup ici, on peut pas y accéder. J'aurai un truc pour voler. J'aurai un truc pour voler et du coup ça ne sert absolument à rien d'essayer d'y aller. Parce que c'est pas accessible. Donc finalement... Finalement on va pouvoir faire de la quête principale. Direction Déméter qui est ici. On va tout de suite se prendre une petite monture... Qui est là. Ici toi. Et alors là, on suit la route. On s'en fait pas, on suit la route bêtement. C'est bien ça. Non, c'est pas ça, c'est là. Peu de camp découvert, parfait. Il faut aller à droite. Site de carapateur découvert, très bien. Voilà, à gauche. Comme ça, je découvre les trucs à vitesse grand V. Là, j'aurai des testudiens en vadrouille. La machine m'a vu. Oui. C'est pas le problème.
Très bien, c'est passé. Ah bah ils sont là les testudiens. C'est le troupeau de testudiens ça. Bonjour monsieur, bonjour madame. Là je veux juste... Voilà, hop, découvrir le lieu. Ah non! Alors, j'avais pas prévu que ma monture se noie, mais bien creusé. C'est bon. Il y a un motherfucking creusé. C'est le plus beau jour de ma vie. J'adore ça les creusés. C'est un creuset ça? Oh le creuset Kappa. On dirait qu'il est immergé. Il est immergé, mais c'est pas grave parce que je peux nager. Il est lourdement gardé, visiblement. Mais si je peux atteindre son noyau, je devrais trouver des données pour pirater de nouvelles machines. Oh oui! On a oublié le plasma. C'est pas évident de se faufiler dans un creuset sans se faire voir. Je ferais peut-être mieux de m'occuper de ces machines d'abord. Non, non. Non, non. Et putain! Le jeu et ses écrans, là. Une carapace. Je dois être prudente. Oh, ouais, t'inquiète.